Salut chers abonnés de la chaîne Investi en Afrique. Encore une fois, nous sommes en train de vouloir lancer une production de champignons avec l'utilisation des substrats, la scie de bois. Oui, la scie de bois, bien sûr. Ça peut être également utilisé pour la production des champignons. Mais ici, cette fois-ci, il faudra suivre certaines étapes avant de pouvoir obtenir les champignons à base de la scie de bois. C'est une étape vraiment un peu protocolaire, un peu plus longue que l'utilisation des râpes de palmier. Parce que ici, pour la scie de bois, lorsqu'on veut le faire, il y a une étape très capitale déjà, qui est l'étape de compostage par laquelle il faut passer forcément. Et à ce niveau, on utilise la scie de bois. Et pour l'utilisation de la scie de bois, pour faire déjà le compostage de la scie de bois, il y a un mélange déjà de scie qu'on doit faire. On ajoute du son de blé, il y a le plâtre également qu'on ajoute dedans. Et venez voir, voilà un peu le mélange qu'on a. Voilà. Rapproche un peu. Ici, on a déjà un mélange de scie, de bois, du son de blé, et puis dans lequel il y a déjà le plâtre qui est déjà fait. Voilà. Donc, lorsque vous avez le mélange, il y a cette étape qu'on appelle l'étape du compostage. Après ce mélange, normalement, on doit fermer, recouvrir tout le sachet. Vous verrez ça tout à l'heure dans la vidéo. Vous verrez, après la réalisation du tas, on ferme correctement le tas avec un sachet pour éviter que lors d'une pluie, par exemple, l'eau puisse entrer directement dedans. Et nous laissons le tas pendant 28 jours. C'est-à-dire, chaque 4 jours, normalement, vous devez faire un retournement. Vous devez faire un retournement chaque 4 jours pendant 28 jours. C'est-à-dire, au cours des 28 jours, vous aurez à faire 7 retournements, exactement. Donc, après cette étape de compostage, normalement, on doit passer à une autre étape qui est appelée ensachage. Voilà. Et donc, il y a d'autres étapes qui doivent suivre, tout simplement. Si tu veux suivre cette formation, essaie de nous écrire directement dans la barre de description pour pouvoir quand même prendre cette formation, maîtriser tous les contours liés à la production des champignons pour pouvoir carrément te faire du cash et mieux valoriser tes sous-produits agricoles qui ne sont pas la plupart du temps valorisés par nos producteurs. C'était Moïse Adosiba de la chaîne Investi en Afrique.